Où sommes-nous ici? Nous sommes à la maison communale d'Ixelles. Que fais-tu de beau ici? Aujourd'hui, je suis venue pour cette interview et aussi pour faire la séance plénière au Conseil des jeunes. Quelles sont tes motivations? Alors, je suis motivée pour plein de raisons. Déjà pour être un élément, pas important, mais actif dans ma commune. Je trouve ça assez important. Et aussi pour être avec des jeunes, plus ou moins de mon âge, qui ont les mêmes motivations aussi que moi. Quelles sont tes attentes? Ce que j'attends, c'est que ça change au sein de la commune. Pas juste au niveau des jeunes, j'ai envie que ça change à tout point de vue. Donc, j'ai pas envie que ce soit juste le conseil des jeunes, que ce soit sur les jeunes, mais que ce soit en général, donc sur toute la communauté excelloise. Quelle est ta place ici dans le conseil des jeunes? Je suis un jeune parmi d'autres de la commune d'Ixelles et j'ai envie de m'investir et être cette fameuse charnière entre les jeunes et les pouvoirs locaux. J'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, mais ma fonction propre, c'est vraiment essayer de représenter des jeunes, tant bien que mal, et mettre, entre guillemets, sur pied certains projets, et surtout, délibérer ça ensemble, vu que le conseil des jeunes est constitué, grosso modo, d'une dizaine de jeunes. Et c'est au sein des séances plénières où on va vraiment discuter ensemble et voir qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les projets que nous acceptons. Et ça, bien sûr, au moyen de vote, au moyen de discussion. Voilà, donc ça, c'est en gros ce qu'on fait durant les séances plénières.